Eh bien là, on est en train de faire le contrôle technique de Pascal. Non, mais c'est bon, je suis confiant. Puis là, on est plusieurs à l'avoir, on est deux à l'avoir déjà fait il y a 3 ans. Et on avait trouvé ça super comme expérience, donc on a tenté notre chance et on a été retenus. Je l'ai déjà fait électrifier cet hiver, dans le but d'aller au vélo au travail. À force de mettre à charger la batterie sur le secteur, je me suis dit pourquoi pas mettre sur un panneau solaire et puis on va essayer. Le SunTrip est générateur de plein de valeurs. Il y a la découverte des territoires, naturellement. Il y a le défi sportif, la notion d'effort. Et puis ce côté d'être dans l'innovation. Ouais, ça se prépare. Ouais. En fin de compte, on oublie tous les matins, mais ce matin, exceptionnellement. Ce matin, on l'a fait. Voilà. On va attaquer le Revard, pour rejoindre depuis le lac du Bourget, le lac d'Annecy, à travers les Bauges. Un peu dur, mais bon, avec l'assistance, ça se fait bien. Et puis, de toute façon, avec les paysages qu'on a et tout, c'est que du kiff, hein. C'est que du bonheur. Le soleil a été généreux aujourd'hui. S'il avait fait gris, on ne monterait pas. Hein. Currently making like 9.2 degrees up and yeah, we have some kilometers left, but the time is ticking. I didn't plan it to do, but they wanted me to do this and now I'm happy that I've done it because we made it and we are very high. Trop content qu'il y ait du monde qui se soit chauffé à monter et en plus ils arrivent tous les trois donc c'est cool. Et comme ça c'est bien, on fait un petit campement tous ensemble. Au moins à l'arrêt, il faut pouvoir incliner ces panneaux facilement. Mais il faudrait que je me méfie qu'au détour d'une montagne, il n'y ait pas une rafale. Et je ne veux pas me mettre par terre. Et ben, on n'en prend plus à les yeux, quoi. C'est juste magnifique. Et là où je suis ravie, c'est qu'en fait, cette énergie solaire, ça marche du tonnerre, incroyable. Là, c'est un peu la double peine parce qu'il pleut et il y a un peu de sable dans la pluie. Et du coup, après, une fois que ça sèche, il y a toute une couche un peu de sable sur le panneau qui fait que ça produit beaucoup moins, quoi. Mon plan machiavélique, c'est de passer d'abord la Fourca et ensuite de faire deux autres passes en aller-retour, mais qui redescendent sur Andermatt. Comme ça, je ne peux pas rester coincé. Et si Emile, lui, il est en galère et qu'il a cramé toute sa batterie, il y a peut-être moyen de le bypasser de 20 points, quoi. C'était très cool de rouler dans un groupe à trois avec ma femme, c'est un grand plaisir. Hein. C'est ça le SunTrip, c'est la famille, c'est les amis, c'est l'esprit en groupe. What do you do now? We're looking now what to do, but Sibyl likes to go to a hotel and we planned to camp basically, so it's not always easy in a relationship, you know, especially if you're traveling. Yeah.
good. I like the idea of doing a tour in the Alps. Then I said, okay, I will do it by my own. I wanted to show myself if I can do it, if I can manage all this. And yeah, it's a real challenge for myself. Faut essayer de monter sans trop mettre les watts là parce qu'il fait pas beau. Je remets le casque parce qu'il pleut. Quand je vois la route là-bas, je me dis c'est peut-être un peu ambitieux de monter au Grimsel. Après, il faut accepter des compromis, ça c'est pas facile non plus. Ça vaut le coup d'être dans la galère, hein, et de s'habiller comme en plein hiver. Parce que j'ai les gants d'hiver, la veste d'hiver, les deux vestes d'hiver. La culotte d'hiver. La culotte d'hiver. La gestion de la capacité solaire, c'est un des enjeux du Sun Trip. C'est ça qu'on apprend à faire, c'est être dans la sobriété énergétique. Emile, il a eu la magnifique idée de partir ce matin, parce qu'entre 6h ce matin et le petit déj obligatoire, et il y avait le temps de se faire un col, quoi. Et du coup, il m'a redépassé ce matin. Et moi, je suis assez dégoûté parce que j'ai hyper mal dormi, parce que ça ronflait, donc je me suis même pas reposé. C'était trop beau, il n'y avait personne. Du coup, j'ai fait le coup du col matinal, parce que hier, moi, je dormais. Il pleuvait et Hugo il a quand même fait le Saint-Gothard en aller-retour. Yeah, it's incredible. I mean, it's solar energy, human legs, power, and just muscles and sun, and you're fast and you get far. Yeah. Ça irait mieux si j'avais en fin de compte mes deux panneaux solaires qui fonctionneraient correctement. J'en ai qu'un qui fonctionne. Non, mais de toute façon, il se plaint tout le temps, tout le long de la journée. Juste pour recadrer les choses. Je voudrais passer en Autriche ce soir. Il y a un peu de chemin. We came down this hill, it was raining. Now it's okay, at least. It's not raining anymore, but the sun isn't out, so no solar power. But I decided to now try Stellview. Let's go! The sun is quite low, so my turnable solar panel is very important to increase the solar production even in the morning or in the evening. Ça c'est le bolide, les copains l'appellent la Tesla parce que un peu puissante. Bon, j'ai beaucoup voyagé et puis je me suis amusé aussi à faire un tour du monde en moto pendant 10 ans. Mais il est vrai que l'avènement du solaire, pour moi, est quelque chose de fantastique parce que
en termes d'avion et d'essence moto et de gasoil du camping-car, la balance carbone n'est pas terrible. Donc là, je me rattrape. Il est possible que je vende ma voiture et que je fasse toutes mes courses avec ce type de matériel. Slovenia, finally, and last climb for today. We will have like finally some rest and chilling. À la base, ça ressemble pas à un vélo, mais ça reste comme un vélo. On a toujours des pédales qui entraînent la roue avec une chaîne. Ce qu'on rajoute, c'est un moteur électrique. Ça permet d'aider à la propulsion. Et le problème, c'est que la batterie limite l'autonomie. En mettant des panneaux solaires, ça permet de rajouter de l'énergie en continu, toute la journée un petit peu, et d'aller beaucoup plus loin. Quand on a de la chance, comme des jours comme aujourd'hui, on peut rouler en continu entre midi et 16h, uniquement avec l'énergie du soleil, donc on ne consomme absolument rien. Ce qui rentre par le panneau solaire, c'est ce qui arrive directement dans le contrôleur et dans les roues, et on roule à l'infini pendant ces quelques heures de soleil. On a montré que la mobilité solaire, ça fonctionne. Ça, c'est, pour moi, c'est une grande satisfaction. Belle nuit chez Daniela, là, qui nous a reçus super bien. J'ai super bien dormi. Et ici, on est dans le cœur des Dolomites du Frioul. Et ça, c'est la maison de famille. Et moi, je viens ici depuis que je suis né un mois par an. Et donc, le fait d'être ici avec mes amis, avec nos vélos solaires, c'est un double plaisir. Mais là, les montées, c'est des gros efforts, et là, on n'a pas l'impression de forcer, quoi. Ça passe tout seul. Ah ouais, mais quand tu doubles un vélo musculaire, tu vois le gars qui transpire, tu te dis, ouais. Bah, j'ai ralenti vers lui, j'ai eu des scrupules, j'ai pas osé le doubler vite. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est le cadeau de la fin de journée. Allez, viens pour l'eau. Elle est très bonne. Viens faire tes longueurs. Une aventure humaine d'abord, c'est une aventure écologique et après c'est aussi le fait de pouvoir visiter de pays, des régions que autrement je n'aurais pas eu la possibilité de faire. C'est une manière de sensibiliser à la fois sur l'énergie solaire et sur le déplacement à vélo. C'est aussi la liberté finalement de choisir son chemin. Ça va très vite, on a plein d'images dans la tête et on ne sait presque pas les remettre dans l'ordre parce que ça a été tellement vite ce sun trip, il faut quand même avancer. On fait 130 à 200 km par jour, on voit plein de choses et maintenant on a plein d'images, plein de flashs dans la tête. Plein d'images, plein d'émotions. Il y
génial. C'est la magie du Sun Trip. J'y croyais pas à ce point-là. Il y a vraiment quelque chose de magique. C'est juste fou. Ouais, c'est l'aventure humaine, technique, puis sportive. Ouais, c'est ça. Ouais. I think it was a very good sun trip. Totally different to the sun trip Europe, but it was fun. With this point challenge, I liked a lot. Et moi j'aime bien les chemins. Je suis pas un cycliste de la route, hein. J'aime bien sortir des sentiers battus. Puis là c'est l'effet caméra, là. Je me suis chauffé et puis en fait ça passait pas du tout. Et être dans un groupe qui est toujours positif et toujours prêt à aider et avec le sourire, vraiment c'était ça porte. C'était vraiment quelque chose de très chouette. C'était un groupe fantastique, oui. Ouais, c'est la réalisation d'un rêve, quoi. Et il y a en plus une super team de gens que je connaissais pas il y a une semaine et que maintenant j'ai l'impression qu'on se connaît depuis super longtemps. On partage les mêmes centres d'intérêt, on est tous des passionnés. Enfin, c'est génial, quoi. You are very close to the nature. I think also the spirit in the group, which is good and gives you motivation and you care about each other. Mon premier Sun Trip, c'était en 2017. Et si je suis encore là en 2022, il y a raison. Ça veut dire que vraiment, le Sun Trip, il a percé quelque chose, probablement aussi dans mon cœur. Dernière ligne droite, et puis c'est Lyon. Mais je suis sûr que pendant plusieurs années, on aura des flashs dans la tête. Parce que c'est quand même inoubliable. I'm super happy to be here. We arrived in Lyon and like it wasn't hard way. We had some problems, of course, but we solved all of them, and now we got even stronger with every problem. And now we believe 100% in our staff and in our machines, and feels very good. Et je crois qu'on s'est tous nourris de l'énergie du groupe. Au-delà de l'énergie solaire pour les vélos, il y avait une telle osmose dans le groupe. En fait, c'était incroyable et on s'est nourri de cette énergie du groupe.